Bon, nous voilà de retour. Alors là, comme vous pouvez le constater, c'est pas une erreur. C'est pas un oubli de ma part. On est encore à New Serena, vous voyez, j'ai pas refait tout ce qu'on avait fait en off, tous les boss de fin et tout ça, pour aller jusqu'au trou boss final. Non, je pense qu'on va leveler un petit peu, hein, avec Kiryu. Oh là, eh ben, notre chance est terrible, raison de plus pour pas le faire. Voilà, je pense qu'on va apprendre un maximum de compétences avec Kiryu. On va faire la révélation, parce que vous allez voir, il y a une petite subtilité par rapport à ça. En fait, il y en a que une réellement par personnage. Oula, Mr. Shakedown! Mais qu'est-ce qui est... Hein? Je t'ai entendu! Eh ben, il y a des espèces de boss! C'est quoi? Il ressemble grave au Mr. Shakedown! Il est en mode tatouage tribal. Donc c'est un espèce de boss, hein. Ah, c'est le mec de pour les combats, là. Quoique. Eh ben déjà, ça commence, hein, tu vois, on a eu raison de venir ici. Parce que déjà, si lui, t'arrives pas à le battre, c'est qu'il y a des... Il est en mode Yoshitaka miné, hein. Ça, là, tu vois. C'est le truc de miné. Eh ben déjà, rien que lui, il nous met une mine. Prends ça. Et non pas Olivier Mine. On va retourner à la ville de Kiryu. Yo! Ça! En plus, il a le counter, t'as vu? Je me demande si c'est le mec... Putain, mais c'est quoi ce bordel? Tu vois, déjà, rien que lui, il est bien chaud, hein, faudra m'expliquer. Je m'attendais pas à trouver un boss de ouf comme ça, là. Oui, on va essayer d'apprendre des compétences. C'est-à-dire au niveau de... Ça! Je vais t'apprendre Kiryu, t'as vu, je vais donner un coup de poing. Un coup d'épaule. Putain, casse les couilles avec ça, j'arrête pas à placer mon action de hit, là, c'est ridicule. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'en faire un, mais... Prends ça! Donc, est-ce que c'est le mec qu'on avait vu à Nagoya, là, qui nous a... le tournament, je sais pas quoi, là... C'est possible, hein, tu sais quoi? Peut-être que c'est l'un des mecs qui y participent. Mais c'est un petit peu étrange. Parce que c'est marqué Mysterious Man. C'est peut-être une quête annexe, hein, de Kiryu, mais il est bien chaud quand même, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Donc tu vois, c'est un signe du destin, j'ai envie de dire. On va essayer d'apprendre les compétences de Kiryu, avec Sosuke. Prends ça. Parce que si déjà, lui aussi, on n'arrive pas à le battre, c'est qu'il y a un sérieux problème. Prends ça, je vais t'apprendre. Le Sosuke. On va essayer d'apprendre des compétences, hein, auprès de notre maître de combat. On va jouer qu'avec Kiryu. Parce que les autres, on s'en branle, hein, on a réussi avec eux... Le problème, c'est pas eux, hein. Le problème, c'est le trou boss final. Qui est vraiment... Il est pas évident du cassoulet. Et les révélations, comment ça marche? Je vais vous les expliquer, il y a une petite subtilité par rapport à ça. Allez, ok, d'accord, bien joué. Pourtant, j'ai appuyé à donf. Eh bien, en fait, il y en a 4 par personnage, faut croire. Mais il y en a une véritable. Oula, il s'est libéré. Ça marche plus, bien joué. Il n'y en a qu'une véritable, tu sais, avec un événement, des QTE, tout ça, répondre des choix, le téléphone, tu vois. Comme dans le 3 et le 4. Mais... Oh putain, c'est pas possible, j'y arrive plus. Mais il y en a 3 autres, c'est avec des armes. Eh oui, c'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. En utilisant une certaine arme, par exemple des plieurs, c'est les cisailles, le sécateur là, avec des pinces. Avec Kiryu. Le sécateur sauveur, entre guillemets. Bah, tu sais, des espèces de pinces. Les pinces pliables, là, s'appellent les pliers. En, le cas, t'as eu un petit problème. Oh, ça! Les imprévus, comme d'habitude. Prends ça, saloperie. Ah, c'est marrant, on peut faire ça! Eh ben, on l'a eu comme ça. On peut pas le choper, mais ça, ça marche. C'est bon à savoir, hein, j'ai envie de dire. Salaud, Kiryu! La prochaine fois, ça se passera pas comme ça, crois-moi. J'aurai ma revanche. Viens, la Gold Plate! Mais c'est bizarre! C'est quoi? Faut voir si c'est dans mes couilles. Non. C'est pas une quête annexe, hein. Je me demande c'est quoi ce truc, quand même. Hein. C'est assez étrange. De temps en temps, t'as des espèces de boss. Allez, on va à Nagasugai, à Fukuoka, bien joué. Et on va aller voir Sosuke et faire la révélation. oui, donc tu utilises les plieurs, tu les prends, faut les trouver déjà. T'en as 3 avec Kiryu,
C'est une sorte d'arme. Oula. Du small garbage. Ouais, bah ça, il n'y en a pas à Tokyo. Ça c'est le IF-7, hein. Ici, là, oui, bah ça aussi, il faudrait qu'on le fasse. Faut qu'on mette toutes nos chances de notre côté. Mais d'abord, je vais aller... C'est marrant, on est comme ça maintenant, ici, là. Parce qu'on peut pas changer de fringue, hein. Je peux pas reprendre mes habits de taxi, pour l'instant. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, donc peut-être qu'on va leveler, j'en sais rien, jusqu'au niveau max. Il faut vraiment qu'on soit... On va apprendre toutes les compétences, voilà. J'avais oublié déjà ce truc, tu vois. On va essayer de faire ce qu'il faut. Mais tout d'abord, on va commencer par Suzuki. Et après, il ira à Tokyo, normalement. Et il faudra le retrouver à Tokyo. Et la révélation, c'est à... Bogdanov, comment ça s'appelle? Bogdan Street? Modan? Oui, c'est... Oh, putain! Mais allez vous faire enculer, j'ai pas que ça à foutre, là. On est pressé là, putain. On a déjà perdu du temps avec ces conneries, là. Prends ça. Oui, le moyen mémotechnique, c'est Kazmodan. C'est la montagne des nains. Mais d'abord, je vais aller me soigner, là. C'est pour ça que je vais n'importe où. Je vais aller me soigner, parce que là, on va pas y arriver comme ça. C'est un petit peu la misère. Et d'abord, je vais faire la révélation. La montagne des nains dans World of Warcraft. Prends ça, saloperie. Donc, c'est Modan Street. À peu près à la moitié. Putain, mais il commence à me... Hein. Prends ça. On va aller à Schuppen Street. Là, ça va être costaud du cassoulet, là. Donc, je me dis, si on arrive à leveler avec Kiryu... Mais putain! Ici! J'arrive pas à lui faire le truc du taxi, là, putain! C'est ça, en plus, les taxis noirs, va te faire enculer. Pas grave, on n'a pas réussi, c'est dommage. Bon, attendez, le L4 revient. Des Iron Plate. Bon, nous voilà de retour. Au moins, on a notre compétence de ouf. En haut à gauche, elle s'est rechargée. Bon, j'aimerais bien un restaurant. Et après... Bon, Iron, c'est pourri, hein. C'est le truc vraiment nul à chier. Hein. Ça se revend 100 balles ou je sais pas quoi. Voilà, on va aller ici à Sushi Zanmai. Oh, putain, fait chier, lui. Vite! Et on va bien voir ce qui se passe, tu sais quoi. Voilà, déjà, ça me plaît quand il n'y a pas l'entrée. C'est sur le côté, ça. Voilà, ici. Ça, c'est toujours un bordel, hein, pour trouver les entrées des restaurants et tout ça. Oui, donc, on va faire Révélation, ensuite Suzuki, ensuite IF-8. Voilà, ça nous permettra de voir comment il est. Allez, quand même. Ça, c'est pourri, hein. 48, 5, 68, c'est nul à chier, hein. Ça, c'est le prix d'un bonbon, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est pas cher, mais du tout. On va pouvoir en prendre un sacré paquet. Et non pas Gilles gros paquet, comme d'habitude. Je vais prendre celui à 1800, voilà. Comme d'habitude. Donc oui, on va essayer d'apprendre un maximum de compétences. C'est-à-dire... parce qu'il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ça nous fera plus de permissivité. Même si la révélation, c'est un petit peu à chier. Hein. C'est The Essence of Slam Dour. Donc, il n'y a pas de porte, hein. Eh, ça, c'est une quête annexe, hein, lui, là. Il est sous. Allez, on va aller voir la révélation. Donc, c'est... Modan Street, c'est où? Alors, Nagasu Boulevard. Ah, déjà, pour le trouver, bonne chance, hein. Jayon. Suzuki-san. C'est où Modan Street? Ça n'existe pas! Kue! Kue! Larson! Oh, ça, c'en est trop! Non, mais c'est une blague, il n'y a pas Modan Street. Mais il dit que de la merde encore, cette soluce de merde, là, c'est pas possible. Ça n'existe pas Modan Street. Daimyo. Les Daimyo, c'est les seigneurs de guerre. Ah, moderne! Voilà. Des fois, faut réfléchir par toi-même. Hein. C'est complètement con, quand même. Ok, donc c'est... Parce que ça ressemble. C'est du katakana, entre guillemets. Le modan, moderne. C'est, tu vois, c'est à peu près la même chose. Hein. Des fois, faut comprendre. Hein. C'est un petit peu space, mais voilà. Je pense que c'est ça, hein. Parce que sinon, il faudra m'expliquer. Bon, ensuite, on va essayer de faire... dès qu'on aura fini cette bouse, on en est déjà à 10 minutes, c'est assez ignoble, je dois dire. On va essayer de prendre... Putain. On va essayer de prendre quelques parties pour... C'est marrant, hein, des fois, ils te chopent pas.
Je sais... Ah bah, c'est là, fait chier. C'est derrière. Je vais prendre le petit morceau qui est derrière. Je suis pas pressé. Ah putain, t'as vu, c'est un peu space hein, quand même. Il a failli me choper. Bon, normalement, c'est là. Et c'est au milieu. On va voir un couple qui se dispute. Là. Eux. Je pense que ça doit être eux. Mais rien ne différencie... Quoi? Non, c'est pas eux. Ils se disputent au sujet de quelque chose. Sokoloenta! Par contre... Il y a que dalle. Ah, eux, peut-être? Non, c'est pas eux. Putain, mais qu'est-ce que... Oh, bien joué, j'ai réussi. Ah, oh, eh ben non, j'ai pas réussi. Ça l'a pas fait disparaître. Assez déplaisanté comme ça, faites-le disparaître. Bon, ça commence à me lourder, là. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. On va essayer de prendre deux ou trois parties pour essayer de faire ce qu'il faut avec Kiryu pour le renforcer le plus possible. Parce que pour l'instant, on est un petit peu en mousse. Ça. Pour l'instant, on n'a pas de chance. Pour l'instant, on s'éclate. Pour ça. Il y a du monde. Donc ouais, on va essayer de faire à peu près tout ce qui nous apprend des compétences. Allez hop, deux de moins, t'as vu ça? Et trois de moins, voilà ça, quand c'est comme ça, c'est la fête. Hein. C'est quoi qu'on avait amélioré contre le boss final? Il me semble qu'on avait amélioré une compétence, non, avec Kiryu. Le boss final, on avait fait un truc de ouf, non? Prends ça. Je crois que c'était un truc contre un mur. Enfin bref. Donc, tu prends l'arme. Énorme, ils sont tous à genoux, c'est excellent. T'arrives à trouver l'arme, tu t'en sers en combat, t'appuies, tu spammes la touche triangle en maintenant la touche L2 pour ne pas le faire. Bon, ça commence à me gonfler ce truc de merde là, c'est où? T'es sûr que ça les a fait pop? Ou c'est que le jour... Midway down Modern Street, you will find a couple arguing near a car. Walt near them and press, follow the trip button prompt. Essence of door slamming. A mon avis, ça ne sera pas utile, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, là? Midway down. Mais... Attendez. Midway down. Sinon, je regarde la Solus vidéo, hein, y a pas de problème. Ni Rocard. À part eux, je vois pas qui ça peut être d'autre. Hein. Midway Down. Ah, ça se trouve, c'est au sud de Modern Street. Bon, allez, c'est bon, ça m'a suffisamment cassé les couilles. On n'a pas que ça à faire, hein, faut se manier le cul. Alors, fais voir. Vous avez 5. Révélation. Il dit un peu que de la merde, hein, quand même, le mec. Alors, vidéo. Yakuza 5, all révélation. Allez voir. Ouais, mais là, c'est deux jours. Ce qui est bien, c'est que c'est exactement la même que... Ah, mais on l'a déjà fait, en fait! On l'a déjà! Je suis con! C'est la même que Yakuza 4, et je le savais en plus. Le pervers, là, qui essaye d'amener la fille, et... On l'a déjà fait, en fait. Oh là là, mais putain. Je me souvenais plus, c'était dans Yakuza 4, ou... D'accord, ok. Eh ben, on l'a déjà, c'est ça. Donc, tu vois, difficile de trouver un taxi noir pour l'utiliser contre le boss final, hein. On n'en aura pas, hein. Ok. Bon, allez, Suzuki, tout en bas à droite. On a bien perdu notre temps pendant 10 minutes, c'est génial. Et oui, on l'a déjà appris. Avec Kiryu. Et ben ouais. C'est complètement con quand même. Hein. Mais les autres, normalement, on les a pas. Hein. Y a que avec lui. On est d'accord. Hein. Brut. Suzuki-san, vous êtes de retour en ville. Pourquoi vous êtes pas venu nous dire bonjour? Bon bah écoute, maintenant faut trouver...
Faut faire tout l'entraînement de Suzuki, jusqu'à ce qu'il se barre pour aller à Tokyo, et après on le retrouvera là-bas. Mais avant de retourner à Kamurocho, on fera le IF-8, comme ça on pourra voir ce que ça donne. Hein ? Ouais, bien joué. On pourra voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un... et non pas un ponctionne. On va nous ponctionner. Oui, j'ai pas oublié le Dragon Spirit, hein. Mais à mon avis, contre le boss final, ça nous servira pas à grand-chose. À moins de l'améliorer à donf, et que ça dure 20 secondes, et encore, hein. On a bien vu qu'il se protégeait sans arrêt. C'est le mode Fury avec R2. J'espère que vous êtes prêts, monsieur Kiryu. Je vais pas vous ménager. Donc ouais, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça nous fera pas de mal, hein, on va le faire pendant soit une partie, donc c'est-à-dire que celle-là, soit trois parties. Deux, ça n'a aucun intérêt. Vu que je fais les parties 3 par 3, encore une fois. Aïe! Suzuki! Ça? Il fait la même chose que nous, ça c'est énorme. Je vais t'écraser comme une mouche! Ah, c'est vrai qu'on peut pas faire d'action de hit! Allez, c'est parti! Allez, moi aussi, tu sais quoi? Regarde! Deux handicapés qui fightent ensemble, voilà. Oh putain, ça dure plus longtemps le mien. Prends ça, Suzuki. Parce que oui, ça peut être une bonne idée, hein, de faire ça pour le contrer. Ah bah, sauf que lui, ça dure beaucoup plus longtemps que moi. Allez, on s'enfuit. Ah bah voilà, c'est bon, c'est marrant. Ah, il me fait le Komaki Paris. Hein. Ah bah, deux fois de suite, incroyable. Il me fait T'as vu? Le coup de genou, là. C'est vraiment pas évident, les entraînements avec Suzuki. Encore une fois, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Prends ça, Kiryu, je vais t'apprendre. Ça sert à rien d'essayer de l'attaquer, hein, quand il est en mode furie comme ça. C'est une véritable furie, celle-là. Lui aussi, c'est pas un combat pour les Kikimu, hein, où il faut y aller en mode normal. Il faut y aller de façon spécifique, lui, là. Faut pas le prendre comme les autres combats, hein. Comme Baba, tout ça. Aïe. Je vais t'apprendre, Kiryu. Tu vois, faut l'attaquer que quand il est... quand il est... Tu vois? Il est en trois étapes. Une étape où il est en normal, comme moi, là, pour l'instant. Une étape où il est en bleu, comme ça, là, ça ne change pas grand-chose, je suppose. Et une étape... tout de suite, voilà. Tout de suite après, il va passer en rouge et on est parti. Et là, il est immortel, ça sert à rien de l'attaquer. Heureusement que le boss final, il a pas un truc où il est comme ça. Hein. Mais là, tu peux pas placer l'action de hit. Aïe. Donc ça sert pas à grand chose de le... C'est marrant, ça me met pas en étoile. Madame des étoiles. Ça. Voir les dégâts que ça fait, là. Limite, il faut spammer que ça, hein. Ça, là. Limite, il y a que comme ça que tu peux le toucher. Prends ça. Donc là, ça sert à rien d'essayer de placer des actions de hit, tu peux pas. Et même le hit suprême, hein, en haut à gauche, ça proc pas. Hein. Alors tu vois, R1 plus triangle, ça marche pas, hein, y a pas de problème. Oh là, il me traîne. T'as vu? C'est marrant, ça, c'est rare les ennemis qui te traînent. Prends ça. Mais il est pas évident du cassouler, hein, vraiment. Donc si déjà on galère contre lui, t'imagines bien que... C'est complètement kikimou, hein, de faire ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça! Je vais t'apprendre, comme une mouche. Non. Mais c'est vrai que si on pouvait... Si on pouvait apprendre plus de compétences... Ah, mais putain! Si on pouvait leveler ne serait-ce qu'une fois... Ouais, bien joué. Eh bien, ça nous permettrait de prendre l'invulnérabilité. Mais franchement, j'ai presque envie de leveler jusqu'au niveau max. Voilà, le Komaki Paris, donc c'est R1 plus rond. Encore une fois, c'est un petit peu le même timing que le Tiger Drop, avec R1 plus triangle. Mais ça fait le coup de genou qui le stun pendant un petit moment, et normalement, ça le met en... Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Non! Ça fait toujours son petit effet de se transformer en... En super guerrier rouge et de se téléporter vers vous. Ça impressionne les filles. Allez, je reviendrai le voir plus tard. Mais honnêtement, c'est assez costaud quand même.
C'est il faut qu'on ait vraiment le qu'on soit au maximum de notre potentiel énergétique entre guillemets. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un restaurant juste à côté. Ils ont pensé à tout. Enfin, juste à côté, c'est vite dit. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, je m'en excuse. Hein. Mais ce serait quand même le comble d'y passer 6 parties. Parce que c'est 3 par 3. Encore une fois, je fais mes trucs. Allez, 2 trucs à la suite. Là, on va passer rond B, bien joué. Brut. Je fais mes parties de l'épreuve 3 par 3. Encore une fois, j'en fais 3 en un jour. Et donc, eh bien, si on passe 2 parties de l'épreuve, ça nous fera que, tu vois, la troisième, on passera que 1 heure sur le boss. Alors que si on en fait 1, on en passera 2 heures, ça laissera plus de chance. Et Kanidoraku. Et si on y passe 3, eh ben, ça nous fera 3 heures la prochaine fois. Et idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que là, on a tellement besoin de se soigner, c'est un truc de dingue. Bardock ! On a tellement besoin de se soigner, on n'est même pas à fond, c'est énorme. Tu peux pas imaginer. Allez, on va retenter Sozuke comme ça, là. On a tellement besoin de se renforcer. Là, ce que je vais faire, c'est que, regardez, faut pas être con. Déjà, on a... Oh, seulement 4 ! Ok. Bah, regardez, on va prendre le dropkick. Et voilà, je vais déjà prendre le reguard. Voilà, déjà, ça. Voilà, et ça, faut... Allez, je me prends ce truc de brin, voilà, et là, je peux plus. C'est con, hein. J'aime pas avoir des chiffres impairs. 1, 3, 5... Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va retenter Sozuke. Là, j'ai le reguard, déjà. Pour lui, ça nous sera utile. Et après, bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la misère. Là, on s'est pris une correction, mais quelque chose de sévère. Je m'y attendais pas qu'il y avait autant de différence entre le... C'est dingue comment ça va vite, hein, ce truc. Ça, c'est énorme. Ça remplit la jauge de ouf. Peut-être on a de la chance et on prend que des trucs larges s'il faut. Eh bien... Je m'y attendais pas qu'il y avait autant de différence entre le boss final de Yakuza 3 et 4 et... même si le 3 c'était... Putain, casse-toi! C'était relativement dur, vous avez vu. Mais quand même. Là, il suffit pas d'être immortel hein, contre l'autre, là... Ça suffira pas, hein. Le fait d'avoir le Immortal Dragon, ce sera pas suffisant, faudra autre chose. Contrairement à celui du 3. Le 3... Ah merde, j'ai oublié de ramasser le truc. Là, si j'y vais, il y sera plus. C'est un petit peu dommage. Hein ? Sozuke n'est pas là. Come to think of it. Maintenant que j'y pense, il a dit que... Il est probablement en train de bouffer quelque part. Peut-être qu'il est... À la zone... Voilà, maintenant, faut le chercher, bien joué. La zone autour de Nagasu Boulevard. Bien joué. Salaud. Alors, fais voir. Oui, bah c'est là, hein, Nagasu Boulevard. Fais chier, maintenant, faut le chercher. T'as raison, j'ai que ça à foutre. Ça se trouve, il était au restaurant Udon. Où on vient d'aller. Donc, si on le voit quelque part, faut y aller. Reviens ici, Kiryu. Je vais t'apprendre à prendre un Grey Suit qui me ressemble au mien. Des vêtements presque pareils, espèce de copieur. Bon, où est-ce qu'il pourrait être, ce trou du cul, là? Il est en train de noyer son chagrin quelque part. Oh là là, le temps qu'on a pris pour se retourner, c'est un petit peu ignoble. Mais est-ce qu'il est à l'intérieur d'un bâtiment ou... Bon, allez. Je vais essayer de chercher, quand même. Sur la Solus. Oui, on s'est pris une correction, mais quelque chose de sévère. Hein. Rarement, on se sera pris une telle branlée.
Suzuki. Nagasu. Where is que... Suzuki guy scroll, Ace floating, the fight, Paris mouvement. After the fair training, go to the center of the district just south of Club Sega. The center of the district south of Club Sega. Oui, bah c'est pas du tout ici, hein, pauvre con. Allez, voyons voir ce que ça donne. Map. La scène. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le Club Sega... Ouais, bah c'est vachement plus au nord, hein. Ça, j'entends des gens qui me courent après, ça c'est ignoble. C'est beaucoup plus au nord que ce que je pensais, hein. C'est toujours le genre de truc un petit peu relou dans les Yakuza. Donc voilà, on va essayer de se renforcer de ouf et d'apprendre un maximum de compétences et de... Et si ça peut me faire level up en même temps, ben tant mieux. Voilà. Ça me... Ce sera deux pour le prix d'un. Eh ben c'est encore plus en haut. On va se faire écraser comme une mouche. Futelko ! Voilà, bien joué. On va devenir un spécialiste de l'esquivage de trash mob. Mais j'avoue que c'est assez costaud quand même. À gauche, il y avait une autre quête annexe là. J'avoue que là... Non mais c'est une blague, on a dépassé le Club Sega. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Comment ça... un rang A, bien joué. Ça servira au moins à ça. Non mais c'est une... Ah putain, ça déclenche cette bouse ! Décidément, on a vraiment de la chance, hein. Bien, énorme. Maille le retour. Qu'est-ce qu'il vaut ? Elle est badass, lady. Il est en mode SM. Très bien, on va vous recruter, vous ! Vous êtes 100 fois mieux. Elle est assez confiance en elle, t'as vu ? Ok, d'accord, ça fait la suite des événements. Automatiquement, c'est assez énorme. Je vais vous apprendre à vivre. J'aime pas les gens violents, je m'en vais. Je voulais pas faire ça, hein, c'est complètement débile quand même. Bon, ça, les trucs qui se déclenchent automatiquement, c'est vraiment insupportable quand même. Ça, saloperie. Ça, ils sont balèzes, eux. Ils ont je sais pas combien de jauges de vie. Il m'a eu dans le dos. Comment il a su que j'étais caché derrière lui? Prends ça. On va vous péter la gueule, moi, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour impressionner les filles? J'ai hésité à faire des quêtes annexes aussi. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, je veux pas faire ça, bordel de cul. Prends ça. Il y a un truc par terre, là, c'est marrant. J'ai cru que c'était une seringue. Bah ouais, qu'est-ce que... Où est-ce qu'il est, ce connard, là? Des clubs Sega, il y en a pas 5 milliards! Ils font chier, bordel de merde, là. Il a bien dit que c'était au sud, hein. Vous faites souvent ça? Ouais! Mais je suis intimidé. Bien. Ah, c'est une hôtesse! Zero Girls, excellent. C'est elle qui s'en occupe. Passez nous voir, à l'occasion. Suzuki. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part.
Hein? Ah mais oui, on en avait entendu parler! Oh putain, mais comment tu veux que je m'en rappelle, bordel de merde? Spranglais de Météore, non? C'est eux, là, les filles! Oh, pas moi, j'en ai... C'est juste des bruits de couloir, vous comprenez? Donc en fait, c'est une ennemie! Les Devil Killers! Oh merde, elle m'a percé à jour! Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler! Vous avez bu un coup de trop, je m'en vais. Elle se doute que c'est nous. Elle se doute de quelque chose de bizarre. Tu vois, c'est eux, les Splanquettes Météores, là, et les Vixen Foxies, ou je sais pas quoi. On en avait entendu parler, tu te rappelles, il y avait une cinématique, on avait vu une voiture, et... voiture rose, ou je sais pas quoi. Le monde est petit, et apparemment, elle en fait partie. Bon, par contre, il commence à me casser les couilles. Ah non, c'est Olivier! C'est là, le club Sega. Ben, ça se trouve, il est entre là et là. Ça, c'est Olivier. Olivier de Rivière, le compositeur. Donc faut aller... Oh là là, ces trucs-là qui surgissent... Ah merde! Bon allez! Ne pas se laisser démonter. C'est un peu ignoble hein, quand même. Ça m'énerve, j'ai l'impression de pas avancer, putain! Franchement, je suis à deux doigts de... Prends ça, saloperie. Je suis à deux doigts de changer les règles de l'épreuve et de dire aucun objet sauf sauf celui qui permet de désactiver les combats aléatoires hein, parce que franchement c'est insupportable. Mais pour l'instant on l'a pas encore donc ça change rien. Allez hop ça c'est fait. Parce que bon il y a un moment comment ça me gonflait ces trous du cul là vraiment. Hein. Donc c'est parti. Bon, tu vas pas me faire croire qu'on va pas le trouver, là. Ah, le v'là, putain! Mais si l'autre, il avait mieux expliqué aussi, il fallait dire, au lieu de dire au sud du Club Sega, il fallait dire entre Olivier et Club Sega. Là, t'as aucun doute, c'est beaucoup plus précis. D'accord, je vais te payer à manger. Si ça me soigne, moi aussi. Je vous préviens, je mange comme 12. Il faut bien ça pour les arts martiaux. Il est un peu prétentieux, t'as vu? Ouais, 2000 balles, ça coûte. Ok, ça va, ça aurait pu être pire. Il est un peu spécial comme perso. Mais on a connu pire. Le prenez pas pour vous, Kiryu. Mon grand-père m'a parlé de vous un jour et... Ah, bien joué. Thanks, man! If you ever get fed up, knocking a few drink, fighting drunk. Oui, ça te donne des effets spéciaux. Ah merde, il faut que je me... Une peu... Technique, tu vois, ça pourrait nous aider. Mais le problème, c'est que tu deviens sobre, fait chier, un combat aléatoire juste derrière, le mec en bleu, là, au milieu. Des trucs que tu peux faire que quand t'es drunk. Le problème, c'est que, surtout si tu utilises ce genre d'action, des actions de hit, tu deviens sobre très rapidement. Et à moins d'avoir des bouteilles de saké dans ton inventaire, ça te permet de boire, mais c'est des objets, donc nous, on peut pas le faire. Mais après, tu peux plus, quoi. Tu peux pas retourner au resto en plein combat. Hein. Oh bien! Le Essence of Drunken Trust! Et c'est une action de climax! Hein? Oh putain, d'accord, ok. C'est un truc aléatoire comme le... Voilà, lui il le dit là, tu vois. Il va y avoir marqué qualification du Victory Road. Mais l'autre de Tokyo, là, j'ai pas compris. C'est peut-être le Underground Colisée. Ça se trouve, il y a les deux, hein, tu sais quoi. Je suis déçu, Kiryu. Tu oses me snobber. Alright, I'll take you on. Ouais, c'est dommage, ça. Enfin bref, ça nous fait un entraînement pour le boss final, hein, tu sais quoi. Bon, il a l'air d'être beaucoup plus pourri que l'autre. Hein. Oula, bien joué, prends ça. C'est quoi, j'ai envie d'utiliser ce truc, prends ça. Parce que c'est évident que ce sera rempli pour le boss final. Hein. Voilà, on aura largement le temps de le re-remplir. Hein. Par contre, ça rigole pas, hein, ça fait des dégâts mais colossaux. Prends ça.
On est en train de lui mettre la branlée de sa vie. C'est assez spécial quand même. Ouais, bien joué. Il y en a qu'on nique en 2-2 comme lui là. Et il y en a d'autres au secours. Félicitations, monsieur Suzuki. Non, je connais son vrai nom. Très bien, vous avez gagné, j'irai faire un tour. Mais là, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps... Bah, succès de verrouiller ce Chosen One. Apparemment, je suis qualifié, non? J'ai le droit de participer au Victory Mekouille. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps... Parce que là, c'est indépendant de ma volonté, hein. Les combats aléatoires, ce mec-là, le mec de Tokyo, avec les tatouages tribaux, j'en ai rien à foutre, je veux pas faire ça, là, dans un premier temps. Pas tout de suite! Moi, ce que je veux, c'est... Dans un premier temps, c'est juste apprendre un maximum de compétences. Je m'en fous de level up, pour l'instant, là. Je veux juste... C'est pour ça qu'on fait Suzuki et tout ça, là. Tiens, c'est 23 minutes, ça c'est ignoble, hein, je dois dire. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Ça a pas servi à rien, ce qu'on a fait. Allez, on va... Putain, on est loin. Je vais prendre un taxi, quand même. Pour un chauffeur de taxi, c'est c'est assez paradoxal. C'est c'est le monde à l'envers. Allez, on y va! Je vais leur apprendre, moi, tous ces connards, là, de me casser les couilles avec leurs conneries, là. De me traîner dans la boue, là. Me ridiculiser. Alors, ici. Ah, l'autre était plus proche, celui en haut à droite. C'est un peu bizarre, il y a deux taxis qui sont proches de Suzuki. On a pris celui en bas à gauche, mais celui en haut à droite était mieux, je pense. Enfin bref, dans un premier temps, voilà. On va essayer de faire ce qu'il faut. Mais, dans un premier temps, il faut... faut surtout... faut surtout pas faire le con. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Brr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 r
Prends ça, Kiryu, je vais t'apprendre, espèce de salaud. Tu vois, je t'avais dit que les entraînements avec Suzuki, c'est pas évident du cassoulet. Il rigole pas. Hein. C'est l'un de nos maîtres les plus durs à affronter. Après, qui est le meilleur entre lui et son grand-père? On aurait pu les capturer quand ils étaient chez leur grand-père. Mais taisez-vous, crétin! Oh merde, ça y est, ça commence. Comme dans Ninja Kids. Mais ça, vous le saviez déjà! Bon, on est presque rempli au niveau du hit. Donc il me faudrait des compétences qui permettent de... Allez, prends ça. Ah merde, c'est quoi ce délire? Qui permettent de... qui facilitent et qui améliorent la technique complètement kikimu que j'avais vue... Ah, bien joué. Prends ça. Qui permet de nous... Ah merde, faut reculer, du con. Putain, comment j'ai esquivé truc de ouf. Qui permet de... Oh merde, c'est quoi? Je voulais me transformer, là, en mode mes couilles. C'est R2? Parce que là, j'avais fait L2. Apparemment, c'est pas ça. Hein. Oh putain, il m'a touché. Oh non! Mais putain, mais c'est trop con! Et si, il peut me toucher quand même quand je... Oh putain, ok, d'accord. C'est vraiment nul à chier, quand même. Oh putain, mais non. Et voilà, il faut retourner se... Ah! J'en étais sûr. Faut retourner bouffer. On a plus qu'un millimètre de point de vie. Qu'est-ce que c'est à chier, putain! On allait réussir, là! Il me touche même... Oh putain, t'as raison. Même quand je fais ce L1 triangle de merde, il me touche quand même, là. Putain, mais quelle bouse! C'est vraiment un jeu de merde, hein, quand même. Allez, on va retourner à Sushi ou Zosui. Oh, oh là là. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries! Parfois, c'est vraiment mal foutu, quand même. Et ouais. Il nous faudrait des techniques qui nous... qui nous aide, qui améliore la technique complètement pourrie là que je faisais. Tu t'éloignes de lui, tu le vois attaquer, tu te rapproches, tu fais carré pour l'interrupt. Ouais, génial, il y a un mec devant. Il va nous achever. Qu'est-ce que c'est pourri ce truc quand même, c'est incroyable. Il fallait qu'il y ait un connard ici. Allez, va te faire foutre. Je vais me rendre immortel. Ouais, sauf que je suis vide! Je suis totalement vide en jauge de hit. Hein. C'est complètement pourri, quand même. La bonne chance pour pas te faire toucher une seule fois. Si on y arrive, on est champion du monde. Bon, ça là. Ouais. Tu oses me faire ça, Kiryu? Pour l'instant, on n'est pas dégueulasse, mais on est vraiment sur le fil du rasoir, hein, tu sais quoi. C'est bon, c'est le dernier, là. Oh, mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, d'accord, on revient de là. C'est bon, on est soigné? Ouais, c'est bon, on est soigné. Bon, même pas... Ça aura au moins servi à ça. Hein. On est soigné à fond, on y retourne. Au moins, ça te montrera ce que ça fait quand tu crèves en combat aléatoire. Parce que des fois, ça fait pas ça. Hein. Des fois, ça te remet au... avant le combat ou je sais pas quoi. Faudra m'expliquer comment il a fait. Hein. C'est bidon, quand même. Il a glissé sur le sol, il est passé dans mon dos. Non, mais au secours, quoi. Ouais, quand ils ont la trouille et qu'ils sont debout. Là, par contre, ça les tue pas en un coup. Ne nous tue pas, ne nous tue pas! J'ai pas compris comment il a fait, hein. C'est bidon quand même. Il est passé derrière mon dos, il m'a touché. Non, t'as raison, ouais. Enfin bref. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries, il faut se manier le cul le plus vite possible. Il faut vite se manier. Ah, c'est par là, hein, Jackie. Ah, encore un autre juste devant, t'as raison. Foutez le camp! Il devrait me poursuivre pendant encore plus longtemps, là. Pour l'instant, on galère un petit peu. Hein. C'est là où tu te rends compte qu'il y a un petit problème, quand même.
Est-ce que c'est vraiment normal de galérer comme ça? Non mais ça va aller, maintenant j'ai compris. Je sais qu'il peut faire le Tiger Drop à n'importe quel moment. Même quand on se déplace, même... Ok, c'est quoi ce délire? Comment il a fait pour m'avoir, là? Putain, mais c'est pas possible! Morita! Bon ça? Allez, j'essaie de pas me faire toucher, Jackie. On n'est pas là pour faire ça, putain de chiotte, là! Il est un peu à chier, quand même, hein, lui. Bon ça? Allez, c'est bon. Et encore une fois, je me demande si le fait de level up, ça... ça améliore mes dégâts et ma jauge de vie. Et ma jauge de hit, etc. Ça, j'ai toujours pas compris. Parce que dans le 4, oui, c'était le cas. Ça faisait un autre intérêt à level up, mais là... Bon, il commence à me lourder, lui, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas l'option continuer contre lui, là. Ça te met dans la merde niveau point de vie quand tu perds. Bon, cette fois-ci, je te laisserai pas gagner. Pas comme la dernière fois. Ouais, c'est ça. Arrête de chercher des excuses. Bon, cette fois-ci, ça va aller, hein, je comprends. J'ai tout compris. Bon, ça. Là, si tu veux vraiment assurer le coup, faut pas l'attaquer, hein. Et alors, tu vois, faut juste parer et faire quelques counters de temps en temps, mais ça aussi, c'est risqué. Regarde, tu vois, il faut pas t'approcher de lui, hein. Ce truc-là, c'est redoutable, hein, vraiment. Là, chaque déplacement, ça doit être calculé au... J'exagère peut-être un peu, mais... Bon, ça va. Ah, c'est ça, pauvre con, là. Prends ça, Suzuki. Je vais te taper! Non! Je vous laisserai pas faire! Comment osez-vous utiliser contre moi les techniques que je vous... que je vous ai appris? Salaud, Kiryu! Aïe! Je me fais chain! Ah putain, qu'est-ce que c'est pourri ce truc! Il le spam, hein, c'est abusé. Oh mais putain! Faut vraiment le faire ad vitam aeternam. Allez, une jauge de vie en moins, c'est déjà ça. Pouh ! Ok, d'accord. Ah, ce truc-là, c'est redoutable. Ouais, il l'a fait bien jouer. Tu vois, même si je tombe pas, il m'a touché hein, avec ce truc de brin. Oh, ça. Il faut que je comprenne comment il nous a eu tout à l'heure, là. Parce que tu vois, quand t'attends qu'il fasse un combo et tu le fais que maintenant. Tu vois? C'est marrant quand même ce truc, hein. J'ai pas compris comment il a fait pour m'avoir, hein, tout à l'heure. Parce que c'est comme ça que je fais depuis tout le temps, là, va te faire foutre. Je pense que c'est le dernier entraînement, hein, celui-là, là. Tu vois? Chouit. Ouais, je crois avoir compris. Ah mais, va te faire! Voilà. Ouais, c'est à cause de ce coup de pied de brin, là. Parce que ça, c'est pas un combo. Voilà, ça, c'est un combo. Voilà, et quand il fait qu'un seul coup de pied... Peut-être qu'il peut faire le Tiger Drop juste derrière. Bon, on est mieux que tout à l'heure, hein, déjà. Il a fait chier, ce truc. Mais... Ce qui rassure pas, c'est que... ce que vous voyez maintenant, c'est rien du tout. Aïe! Voilà. Ça, là, cet entraînement... C'est rien du tout comparé au prochain. Eh oui, donc bonne chance. Ah, fais chier ce truc, c'est le dernier. Après, on va l'avoir, t'inquiète. Ah, mais fuck! Je voulais utiliser le truc de merde! Et voilà. Je voulais utiliser R2, mais j'ai pas eu le temps. Mais le prochain, donc à Tokyo, je suppose. Bien. Un truc référence, encore une fois, dans tous les Yakuza. Eh bien, ben, c'est costaud. J'ai pas tout mon temps.
Ouais! C'est pour ça que je veux péter la gueule à tout le monde maintenant! Les arts martiaux, ça ne l'a pas rendu riche! Donc, croyez-le ou non, mais le prochain entraînement, bah, ce sera à Ryu Gojo, à Dragon Palace, c'est le casino, tout ça, là, à Tokyo, je suppose, hein. Et c'est marrant, il est toujours là. Et, oh putain, mais oh, comment j'étais censé, là, c'est bidon. On va aller sauvegarder, là, tu sais quoi? Le professeur Kawashima. Eh bien, prends ça. Ah, level up, tu vois, c'est déjà ça. Hein. Allez, un de moins. Encore un autre de moins. Vite, le troisième. Lui, là. Hop, voilà, ça c'est excellent, quand même. C'est free kill, hein, vraiment. Et voilà, comment terminer un combat... Hein? Où est-ce qu'il est, Honda? Prends ça, je vais t'apprendre, Kiryu. C'est E-Honda. Comment terminer un combat en 2-2? J'aurais bien les sauvegarder quand même, avant d'aller lui reparler. On sait jamais. Et je vais prendre... Putain, est-ce que ça vaut la peine de reprendre des trucs dans Tech? Allez, on va prendre l'immortalité, c'est un truc... Oh putain! Guard against bladed weapon and bullet? On sait jamais qu'il utilise le katana. Hein. Mais je pense que non. Hein. Ça, on s'en fout complètement, c'est nul à chier. Pour lui. Ça, je me pose la question. Oh là là, est-ce que le boss final va utiliser... Et c'est uniquement quand t'es en hit mode. Est-ce que le boss final va utiliser le katana qu'il avait là? Tu sais, il était un katana, ils nous ont fait croire qu'il allait s'en servir contre nous, mais ça se trouve, pendant la troisième phase, il va le faire, c'est tout à fait possible, hein. Allez, je le prends. Ah, c'est énorme ce truc! Ouais, ça peut être... Oh putain, 3 points par contre. Ça peut être pas mal, ça, là. Mais je me demande ce qu'il y a dans Tech. Ça aussi, j'ai envie de le prendre. Il nous faudrait tout pour bien faire. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de leveler comme un porc. Mais dans un premier temps, on va faire les trucs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, ça va aller, là. Putain, le point de sauvegarde le plus proche, il est pas d'abord. Ce qui est énorme, c'est que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo. Pour l'instant, le jeu a une drôle de façon de nous montrer son amour pour nous, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça. Une caméra de surveillance. Comme Metal Gear Solid. Oh, Yosan! Ah mais, c'est quoi ce bordel? Oh merde, un Devil Killer! Ah, mais ça, c'est abusé, oh là là, mais c'est toujours sur notre chemin, putain. Eh, on n'a pas de bol, hein, aussi, salaud. Donc ça, c'est lié aux courses, hein, tu sais. Bon, ça va, ça a l'air d'être une merde. Prends ça. Je vais tuer Kiryu. Non. Jamais de la vie. Eh, mais j'ai pas appuyé, là. Pourquoi il a fait ce truc, là? J'ai pas appuyé sur la touche croix. Il a fait le truc en deux coups. Nyeh. Des fois, il y a des trucs bizarres, hein, quand même. Allez, on va sauvegarder, on l'a bien mérité, quand même. Là, on a d'ores et déjà fait pas mal de trucs de gold. On a d'ores et déjà fait pas mal de choses, hein, tu sais quoi. C'est pas mal. Allez, on va au moins essayer, il reste 5 minutes. On va au moins essayer de retourner là où il y a Suzuki. Pour voir. Et on va rentrer dans le truc. Voir s'il se passe un événement ou je sais pas quoi. 8. Lui là. Voilà. Je m'en doutais. Je commence à tâter de la bête. Je commence à réagir avec l'ultra instinct. Je reconnais les ennemis. Alors, faut voir s'il se passe un truc. Mais c'est quoi ce bordel? Il est toujours là, là.
Ah, oh putain, il y en a encore un autre! D'accord, ok. Oui, ben croyez-le ou non. Bon, allez, je vous le dis pas. On verra bien. Sauf si conceptuel, straight-up technique. Oui, ça reste encore à améliorer. Tu vas voir. Vous verrez, on le fera à la prochaine partie, il me semble. Là, on est bien parti pour leveler, pour s'entraîner pendant 3 parties de l'épreuve. Donc je m'en excuse, hein, ça va nous retarder un petit peu. Tu vas voir, Kiryu. Tu vas en chier. Tu croyais avoir tout vu, mais c'est faux! Je vais y aller à fond cette fois-ci. Bonne chance. Vous verrez, l'entraînement à Kamurocho, ce sera encore pire. Et c'est l'un des combats les plus durs du jeu. Et de la série, s'il faut. Plus ou moins dur que le boss final, j'en sais rien. Mais je sais pas si on va y arriver, mais ce serait dommage. Et donc, c'est quoi sa technique, là? Par contre, bien de pas être full PV, espèce d'abruti, là. Je sais pas si on va y arriver comme ça. Mais bon, s'il fait pas le Tiger Drop, c'est déjà ça de prier. Tu vas voir, Kiryu, à mon avis, on n'aura pas le temps, hein. Il reste que 4 minutes. 4 minutes? Ah, merde! C'est énorme. Ah, mais si, il fait le Tiger Drop! En fait, il y va à fond, là, il utilise toutes ses compétences. Il utilise tout ce qu'il nous a appris jusqu'à maintenant, c'est ça? Oh, c'est abusé, il continue de faire cette technique de brin. Attention! Ça se trouve, il combine tout ce qu'il nous a... Complètement cheaté, ce truc. Mais c'est débile qu'il nous touche, même quand on fait ce truc, là, ça, là. Pourquoi on se prend des dégâts? Parce qu'apparemment, il a le temps de nous toucher. Prends ça. Allez, Baken Janezo, les deux en même temps, c'est énorme. Prends ça! Prends ça, Kiryu, je vais t'apprendre, espèce de pourriture. Voilà, bien joué, le mien dure plus longtemps, hein, t'as vu. Ça, c'est tant mieux, quand même. C'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, il le fait 2 fois de suite. C'est abusé. Prends ça! Donc, ça se trouve, il fait le Tiger Drop et le Tiger Knee, entre guillemets. Le truc avec la touche rond. Oh, merde! Chie avec ça. Prends ça, Kiryu. À mon avis, il est tellement rapide dans ses combos, là, qu'il a le temps de nous toucher, hein, quand on fait L1 plus triangle. Il a le temps de nous toucher une fois. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça fait que de la merde niveau dégâts. Mais ce qui est pas mal, bah, c'est que ça nous fait des dégâts. Et des dégâts, c'est des dégâts. Hein. Surtout quand on a oublié de se soigner. Prends ça. C'est assez dur. Hein. Ouais, quand ça met plus de temps que prévu, ça veut dire qu'il est costaud. Mais t'inquiète, hein, je le connais maintenant, il n'y a pas de problème. Prends ça. Je me demande si quand il est en mode hit, comme là, en bleu, il nous... Oh, c'est marrant, ça c'est ça a mis fin. Oh putain, c'est quoi ce délire? T'as vu ça? J'ai réussi à le choper. Putain, je me fais vraiment toucher bêtement, c'est incroyable. J'ai réussi à le choper dans le laps de temps. Entre le... Ça, c'est marrant, ça. Et on l'a même pas vu taper du... Voilà, faire ça, là. Taper du pied pour chier droit. Ah, attention! Les expressions du L4. Ouais. Est-ce que là, il est... Ah non, il se libère tout de suite, hein. C'est dommage. Hein. À partir de maintenant, je peux plus le choper. Ouais, tu vois? Ça, il avait pas eu le temps de faire ça, là. Mais je l'avais chopé quand même, c'est drôle. Alors que là, quand il est comme ça, je peux pas le choper, hein, y a pas de problème. Prends ça. Ah, tu vois, là je peux plus, là, c'est dommage. Si j'avais une manette turbo, je sais pas si j'y arriverais. Ah, fuck! Tu vois, là, j'ai pas réussi. Donc là, le timing était un peu plus... un peu trop tard. Ah! Prends ça, Kiryu. Je commence à le doser, hein. Je commence à comprendre comment il marche. Et non pas marche à dos. Mais là, je peux plus le taper que comme ça, c'est dommage. Prends ça. Est-ce qu'on va y arriver? Franchement, je promets rien. Par contre, ça fait 1 heure, Jackie, il faut y aller. Faut que je vous laisse là, c'est un petit peu dommage. Prends ça. Qui va avoir l'autre en premier? À force de technique Kikimu. Et à force de coups de poing de merde.
Mais t'as vu, une fois que t'as la technique... Mais le L1 plus triangle, c'est indispensable hein, contre lui. Y a peut-être une moyen de l'avoir autrement, mais... Le L1 plus triangle, ça là, c'est complètement cheaté hein, contre lui, y a pas de problème. Bon ça... Mais c'est long. C'est lent as fuck, donc ça prend du temps, je m'en excuse. Dès qu'on l'a battu, enfin dès la fin de ce combat, on va dire ça comme ça plutôt. Aïe. Eh bien, on est dans le rouge. Ah, fuck! Qui va avoir l'autre en premier? Allez, j'y vais, moi aussi! Prends ça, Suzuki! Dude! Allez, on va l'avoir comme ça, je pense. Et voilà, nickel, t'as vu, faut pas être con. Contre lui, c'est utile, hein, le Dragon Spirit. Mais franchement, contre le boss... J'arrête pas de dire le boss final, plutôt au lieu de son nom, parce que on sait jamais que... Bien, Ultimate Essence Climax Hit! Oh putain, ça se trouve, ça va être complètement cheaté, ça, contre le boss final. Faut l'essayer, voir ce que ça donne. Putain, on a trois trucs de hit, mais comment on fait pour les utiliser? Je vais essayer de regarder dans les options, tu sais quoi. Bon, on va te faire foutre, il va aller à Tokyo, là. Tu ferais mieux de me suivre. Tu ferais mieux d'avoir plus de respect pour lui. Bon allez, je vous laisse là, on verra ça à la prochaine partie. Avant d'aller à Tokyo, on va faire les... Donc on a fait, on récapitule. A priori, selon toute vraisemblance, d'après moi, mais peut-être que je me trompe, on a fait LA révélation, de la seule, entre guillemets, de téléphone de Mac avec Kiryu, donc c'était le taxi là. Sinon, il y en a trois autres avec les armes. Mais bon, on s'en fout. On n'aura pas d'armes contre le boss final. Oui, on sait jamais que vous vouliez pas vous spoil, que vous avez fait exprès de passer la précédente partie, s'il faut. C'est pour ça que je dis le boss final. Et on a fait tous les entraînements avec Suzuki à Nagasugai. Y en a d'autres. Peut-être un autre, un dernier, s'il faut. Vous avez peut-être deviné ce que ça va être. Ça va être assez ignoble, je dois dire. Mais j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller hein, sur ce truc. Et à Tokyo... Et donc, ce qu'on va faire pour la prochaine partie, au début dans le menu, je vais regarder comment on utilise le Ultimate Essence. C'est quoi? C'est quand l'ennemi il est stun, comme dans Yakuza 3 ou 4, tu te rappelles? Il fallait d'abord placer le R1 plus rond, pour lui faire se tenir le ventre là, et à ce moment-là, t'appuies sur R1 plus triangle s'il faut, pendant qu'il se tient le ventre, et là ça fait l'Ultimate Essence, peut-être hein. Je sais pas si le boss final on peut le stun. Faudra essayer, hein, mais comme d'habitude, c'est pas facile du cassoulet hein, à placer ce truc. Mieux vaut utiliser la normale, hein, je pense. Et donc déjà ça, on va faire. Et aussi, on va, avant d'aller à Tokyo, de retourner à Tokyo, on va essayer de faire le IF-8 pour voir si ça nous apprend des compétences et comment ça marche, et etc. Allez, à plus pour la prochaine partie, mais c'est déjà pas mal hein, ce qu'on a fait. On a un petit peu pété un câble, mais bon. Ce qu'on a fait dans cette partie. Allez, à plus !